opportunité pour nous parler spécialement femme qui ici là qui la caillou qui tout côté dans pays et même à l'étranger dans l'occasion inauguration maternité ça dans le temps nous connaissons misère femme qu'on passait les enceintes pour arriver à accoucher. Parfois, ils mourent la caillou. Parfois, ils mourent dans la route. Parfois, ils mourent sous brancard. Parfois, ils mourent sous cabane d'hôpital. Pas manque de moyens, services. Personnel, là, qu'on a disponible, mais qu'on n'a pas de moyens pour faire service avec les femmes. Mais je veux dire, nous sommes capables de dire que le problème n'est pas résolu à 100%, mais nous pensons que le problème n'a pas commencé à améliorer à partir de jeudi à même. Parce que ce n'est pas quand nous sommes en train de parler de maternité, nous sommes dans l'autre hôpital, mais jeudi, ce n'est pas un rêve pour nous, c'est une réalité. Dans ce sens, nous profitons pour nous remercier le gouvernement, plus particulièrement le ministre de la Santé publique, là, et AFD, qui est l'Agence française de développement, qui était bail appui financier pour te construire qu'aucun chaîne bâtiment ça. N'a profité pour nous remercier député Gerda depuis dans achat terrain pour nous venir à l'inauguration. Et Fontaine gracieusement, il me dit nous ces populations sabanicienne pour ne pas te remercier député Gerda et nous dit député Gerda chapeau bas pour lui population Raymond il a toujours Raymond lié avec nous. N'a profité pour nous remercier tout et responsable santé ça va être depuis sorti dans petit personnel de soutien jusqu'à au responsable pour j'effort pour appuyer yo bail journée aujourd'hui pour vivre avec inauguration maternité ça. Ce centre offre donc des services de santé maternelle et néonatale pour que le jour où vous donnez vie soit vraiment le plus beau jour de votre vie et pour en écarter le malheur. Ce centre apportera en outre des services de planification familiale pour mieux maîtriser la famille. Cette maternité de Sabanette que nous inaugurons aujourd'hui vient donc conclure un programme qui est développé par l'Agence française de développement, qui a été développé par l'Agence française de développement dans 4 départements du pays, où nous avons déjà construit des équipements de ce type et qui étaient dotés d'un budget de 6 millions d'euros. Notre agence a travaillé main dans la main avec la mairie de Sabanette, bien sûr, mais aussi beaucoup avec le gouvernement d'Haïti et notamment avec le ministère de la Santé publique pour nous assurer de la réussite de ce projet. Ce sont les autorités haïtiennes qui ont choisi ce lieu et qui nous ont désigné Sabanette pour y construire cet équipement. Cette attention, cet appui remonte jusqu'au sommet de l'État haïtien puisque nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir parmi nous Madame Martine Moïse qui, nous le savons, s'occupe beaucoup, s'intéresse beaucoup à ces questions de maternité, de famille et d'enfance. Donc nous espérons pouvoir continuer à bénéficier de cet appui du gouvernement haïtien, de l'État haïtien au plus haut niveau. Je tiens aussi à signaler que dans ce projet, l'ONG française Architecte de l'urgence a pris une grande part puisque c'est elle qui a assuré la construction de ces bâtiments. La coopération française souhaite ainsi être utile et apporter une contribution, un appui à une priorité nationale qui est la santé et notamment la santé maternelle et la maîtrise des naissances. Nous allons continuer à travailler sur ce thème avec nos partenaires haïtiens puisque nous avons un projet qui s'appelle Timama qui se concentre aussi sur les questions de santé maternelle avec la réhabilitation de l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie dont nous accueillons, je crois, aujourd'hui
la députée. Moi dis bravo parce que nous comprenons cette santé a santé pas faite pour politiser et nous montrer bataille femme n'a pas doué gain barrière. Mais qui ça qui était dans projet a? Depuis de Gada a bail terrain. AFD a bail maternité a et KDL c'était comité développement local à travers ceci qui se centre d'études et de développement lui-même li tabanou et de développement international lui-même li tabanou centre de santé à l'IA parce que nous pas de centre de santé à l'IA. Nous t'ai tout négocié en ambulance pour Savanet et jodi a nous dit femme Savanet suspend pendant 2 ans yo suspend pote yo sous brancard yo suspend pote yo sous planche pour yo aller recevoir soin soit mi balai ou bien kay voisin. Ça qui belle jodi a les nous rencontrer avec ministre Retawa nous parler nous poser problème là nous parler avec première dame là nous parler avec président première dame là dit force Savanet là inaugurer ça qui manque me regarder avec président pour nous mettre parce que faut moi-même moi c'est avocat femme au côté président. Et je dis à nous redéfendre nos vrais. L'inauguration de ce nouveau bâtiment qui va offrir des soins obstétricaux et néonatologiques de base, nous relève les structures ça on en jargon par nous SONU B, est une cérémonie qui exerce un attrait particulier et c'est d'ailleurs la 5e à laquelle je participe et ce ne sera certes pas la dernière. Pour beaucoup de familles de la région, c'est certainement un motif d'orgueil et de satisfaction de disposer sur place d'une telle structure, appelée à assurer le suivi de la grossesse pour conduire ce processus jusqu'à son terme, c'est-à-dire sans risque pour la femme et son nouveau-né, en plus des soins de base traditionnels dispensés dans les centres de santé, comme la vaccination et les consultations générales. Ça veut dire que Sainte Noël, ce n'est pas maternité seulement le gagne là-dedans. Nous gagnons un centre de santé, côté petit monde, grand monde, capable de recevoir soin. Et en plus, nous gagnons maternité qui sont gros atouts pour Savanet. Parce que j'aime fait dire là, nous tout près frontières, nous connaissons la bataille femme, les problèmes femmes, nous avons gagné pour accoucher dans Savanet. Nous avons fait même exercice dans un chapitre qui sont encore tout près frontières là. Donc, et m'a invité tout le monde, population, m'a invité pour yo kembe sent l'an propre. Et m'a dit mesdames messieurs autorités dans Savanet yo, tout effort si là yo, c'est pour service yo vinn pi près nous. Comme ça n'a fait moins dépenses quantité grand monde, femmes enceintes ak ti monde k'ap mouri a diminué. Parce que actuellement dans la région, nous sommes un dans pays qui a un taux de mortalité maternelle plus haut. Ça veut dire nous avons plus de femmes qui mourent pendant l'accouchement en Haïti. Donc, tant que nous vivons plus longtemps en santé, tant que nous produisons plus, c'est tant que Savanet a bien développé. Moun Savanet, événement aujourd'hui n'est pas possible sans support financier. Zami kap collaborer ak nou et ki ban nou bon jan bourade l'argent. Nou vle parler de agence française pour développement AFD, UNICEF. Mwen vle remercier yo en pile pour concours si la. Mwen vle remercier tout architecte de l'urgence qui te gen responsabilité construction. Merci tout pour FNUAP qui ban nou matériel ak équipement pour centre là. Ça va permettre nous commencer par les soins pressé. Gouvernement haïtien tout est joué partition pâle dans conception et supervision travail là. Et li bay tout parti dans matériel et équipement et puis surtout li bay personnel pour centre là pour maternité à capable et commencer travail. M'a dit nous que jodi an moi gagne avec nous à peu près une quinzaine de lettres d'affectation pour personnel que n'a ajouté pour centre de santé avec maternité.
Nous connaissons un centre de santé en maternité, même s'il y a matériel, même s'il y a équipement, s'il n'y a pas personnel, il n'y a pas qu'à fonctionner. Et nous avons dans tête maternité ça, ou infirmière sage-femme. En attendant, peut-être que nous sommes capables de joindre l'autre infirmière sage-femme qui a accepté le travail, ça va net. Je dis nous, pour nous battre un bravo spécial pour une femme jambe, une femme conséquente, dévouée, qui n'a jamais suspendu la bataille pour nous être capables de sentir ça. Je pense depuis que je suis rentré, député Gerda, toujours venu joindre moi pour lui dire ministre, il faut nous inaugurer ce centre. Ministre, ce centre fini, ça n'a fait pour ce centre. Donc, honorable député Savanette, merci pour l'engagement. Merci pour l'engagement pour Savanette, pour tout le monde qui a joint la santé.